15 ans, il a fait du cirque. Et en faisant du cirque, on lui a appris à se tenir d'aplomb. En faisant du cirque, en faisant de l'équilibre. Ah oui, 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 c'est obligé. T'es obligé, sinon tu tombes. Et les marins aussi, ils sont obligés d'être. Ben, sûrement. Parce que quand ils sont sur leur truc en haut, quand ils font les. Et puis quand ils sont sur le pont et puis qu'ils gigotent, ils sont bien obligés de chercher Ben, ils ne sont pas comme un piquet. Hein. Ils font comme lui, ils plient les jambes et puis ils bougent. Hein. Alors Renan, c'est pareil, il fait du voilier, il fait du bateau. Donc, et c'est vrai qu'il n'est pas hors de l'axe. Alors sa compagne, oui, c'est pour ça qu'elle a fait du yoga avec moi et qu'elle fait attention. Mais Renan, il n'aurait pas besoin. Donc en résumé, il faut que tu fasses attention à sa posture. Enfin, de temps en temps... Il faut y penser souvent. Souvent. Parce que si toi, tu as mal dans le dos, oui. Hein, tu me dis que tu as mal dans les reins. Oui, hein, oui. Eh bien, mets-toi trop plus comme ça. Tu as mal dans les reins. Si je regarde ta couture de pantalon, hein, si je mets un fil à plomb là sur ta tête de fémur, il va tomber, il tombe là. La couture de ton pantalon, d'ailleurs, il tombe là. Tu vois? Oui. Alors, dès que tu... T'as vu le geste que t'as fait? Tu t'es penché pour regarder tes pieds. Oui. Du coup, tu as reculé ça. Alors quand je te corrige, oui. Tu recules tout ça, comme si tu regardais tes pieds. Là. Là, tu es sur la peau. Alors redresse la tête, sans ramener ça en avant. Tu vois? Là, tu es déjà plus sur la peau. Alors tu tiens des trucs parce que tu as peur de tomber. Je dirais que tu as les cuisses et les chevilles collées. Ben ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu lâches tout... Bon... Allez, tu fais venir. Tu fais venir en avant. Voilà. Là, tu es sur la peau. Et là, tu peux lâcher dans ton dos et tes douleurs lombaires, elles vont disparaître. Tu lâches ton dos, tu lâches ton ventre, tu lâches tes épaules, tu lâches ta nuque, tu lâches tes chevilles, tu lâches tes genoux. Tout ça, tu peux être... Comment ils font les bergers peuls debout sur une jambe toute la journée? Tu crois qu'ils sont tendus? Ils sont complètement relax, hein? Eh, t'as bien vu ça dans ton pays aussi. Ah, ils sont grands. Ils sont grands. Ils n'ont pas de ventre. Oui, ils n'ont pas de ventre. Ils n'ont pas de ventre. Et encore, les gens qui ont un peu de ventre, ils sont. Ouais. Et tu sais que les gens qui sont un peu grassouillés, ils sont mieux sur l'axe que les autres. Ils boivent un verre de sang tous les matins pour au petit déjeuner. Ils sont cannibales. Oui, d'accord, ils ont mangé le dernier. Enfin, le sang de. Peut-être. Le sang de bovine, je ne sais pas quoi. Le sang de. Le sang de quoi? D'animal, quoi. Ah oui? Bah oui, c'est là le petit déjeuner. Hein. Ah oui? Ouais. Pas assez bon pour le. Pas les peules. Pas les peules. Si, les peules, oui. Il faut que tu aies l'impression d'être un peu. Les Maasai, ils boivent aussi. Oh, comme ça. Oui, ben alors pas tant. Comme ça? Oui, mais c'est pas. Tu comprends? C'est. Comment dire? Regarde, quand tu te penches. Quand tu te penches un peu. Ouais, comme ça. Automatiquement, ça. Si tu regardes tes pieds, automatiquement. Tu remets ton bassin à l'aplomb de tes talons. Comme ça? Ça va comme ça? Oui. Alors là, tu peux relever la tête doucement, sans encore, t'es pas obligé de lever trop loin. Là. Et à partir de là, tu détends. Tu détends. Ça va? Tu détends dans tes chevilles. Tu coules dans tes jambes. Décoller, ça veut dire que tu retiens. Ah bah, t'es obligé quand même, sinon on tombe. Hein. Non, si tu es bien sur la verticale, tu peux pas tomber. Bien sûr qu'il y a des muscles qui travaillent. Ah bah oui. Mais on les fait pas travailler, c'est ceux qui tiennent tes os, toutes tes vertèbres qui tiennent tes os.